Shabani Nonda. Nonda qui a prolongé vers Marco Simone. Pochettino. Cristobal, Ugo Leal qui a contre-pied, ça profite au capitaine monégasque. Marco Simone. Simone face à Pochettino. Marco Simone, Nonda. Occasion en or. Et l'ouverture du score. Premier but dans le championnat de l'AS Monaco, marqué par Shabani Nonda. Pris en grippe par le public du Stade Louis II. Il se l'est mis dans la poche. Regardez Simone qui fixe bien la défense. Shabani Nonda qui attend le dernier moment pour du bout du pied venir. Battre Lionel Letizier, regardez ce très très bon ballon, il a déjà levé la tête Shabani Nonda et c'est bien de la pointe du pied qu'il vient battre Lionel Letizier. Belle complément. Les Monégasques, les premiers en action par Shabani Nonda, un but splendide. Grégory Coupé n'a pas esquissé le moindre geste et les hommes de Didier Deschamps ouvrent le score dès la 15e minute. Cinquième but du Congolais Shabani Nonda, une frappe flottante, coupée et lobée. 1-0 pour les Azuréens, c'est le score à la mi-temps. Joli, bien joué Gallardo. Allez Shabani, allez ton but Shabani. Et voilà. 4-1, on a repris 3 buts d'avance. Shabani Nonda, ça marche à tous les coups. Ah, ils sont rentrés 5 fois dans le bon contrôle. Shabani Nonda, il va se retourner sur un seul contrôle intérieur du pied droit. Il l'amène avec lui et il enchaîne du bout du coup de pied. Shabani Nonda. Né le 6 mars 1977 à Bujumbura, au Burundi, est un ancien footballeur international congolais qui évoluait au poste d'attaquant. Issu de parents congolais, il est le dernier d'une fratrie de 9 frères et sœurs. La famille vit au Burundi jusqu'en 1993, mais les débuts des conflits éclatent la famille. Il s'expatrie en Tanzanie avec un frère alors que le reste de la famille se dirige vers la République démocratique du Congo. Lors de son exil en Tanzanie, il joue pour le Young Africans et gagne dès la première saison la Coupe Kagame Interclub. En 1994, il gagne la Coupe de Tanzanie, son deuxième trophée. Il décide alors de changer de club. Il s'engage donc pour la saison 1995 avec le club sud-africain surnommé les valses professionnelles. 6 mois plus tard, il est repéré par un agent, puis il est transféré au football club de Zurich. À l'instar d'Ivan Zamorano, Giovane Elbert ou Sonny Anderson, Shabani se forge une réputation d'attaquant d'élite en 1998 dans le championnat suisse en remportant le titre de meilleur buteur. Colter. C'est lui que l'on compare à Giorgio Ea s'engage avec le Stade Rennais pour 2 ans et un transfert évalué à 3 millions d'euros. Oh, quel but Giorgio Ea. Il est l'une des premières recrues du nouveau président du Stade Rennais, François Pinault. La première année, il incarne le renouveau du club en inscrivant 15 buts et en contribuant fortement à la qualification du Stade Rennais en Coupe Intertoto. Via une 5e place dans le championnat de France. Allez, on se dépêche, et là, on y va vite. Le roux. Oui, ça y est, il y est, Nonda. La voilà, l'égalisation. Shabani Nonda. C'est mérité pour Shabani Nonda. Il a fait beaucoup d'efforts, il est récompensé. Mais il va bien couper ce ballon. Pour une fois, Ferrara. Sa seconde saison au Stade Rennais est moins bonne, 13e du championnat. Mais il maintient son efficacité et marque 16 buts. Il est transféré à l'Association sportive de Monaco, tout frais, champion de France 2000, afin de pallier le départ de David Trezeguet pour un montant de 20 millions d'euros. Sa première expérience de Ligue des Champions est de courte durée. En effet, l'Association sportive de Monaco s'étant sévèrement affaiblie par le départ de Willy Sagnol, Fabien Barthez, David Trezeguet, Lamouchi entre autres, ne réussit pas à franchir le premier tour. C'est là que ça peut faire mal avec Shabani Nonda qui est passé. Nonda pour la frappe et le but de
Chabani Nonda. On en parlait il y a quelques instants, l'association sportive de Monaco qui ouvre le score pour le 20e but de la saison de Chabani Nonda qui vient de transpercer pour la première fois toute la défense du Paris Saint-Germain. 1-0 pour Monaco. Sur ses appuis, mais vraiment là, regardez le superbe geste de Nonda dans la finition et dans la prise de balle. Et Monaco qui ouvre le score. Bébé Philippe l'arrangeur au doigt très recherché. Cyril le parrain. Allez, sans volement. Ahmed Fanny. Il faudra attendre l'arrivée de Didier Deschamps pour que le carré qu'il forme avec Jérôme Rotten, Ludovic Juli et Dado Perso donne toute sa satisfaction. Oui, on est avec Didier pour revenir ensemble sur les faits. Oui, on est rentré un peu timidement, surtout le premier quart d'heure, on était un peu fébrile. Et Paris, sur cette action individuelle, avec le talent de Ronaldinho, a fait la différence en demi-heure de la première mi-temps. Avec donc l'égalisation à 6 minutes de la pause signée Chabani Nonda, il y avait vraiment peu d'espace. Hein. Oui, mais c'est Chabani a des qualités extraordinaires. S'il en prend conscience, il peut être un des très très grands attaquants au niveau européen. Et la claquette de Lionel Letizy, mi-temps sur ce score d'un partout. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs à cet instant ? De continuer, je crois que de gommer un peu ces erreurs d'inattention sur les coups de pied arrêtés et essayer de maîtriser Ronaldinho parce que là, Nonda, il est passé devant Letizy et à l'arrivée, ben, ça fait but. Et centre de Camara. L'année 2003 marque l'apothéose de sa carrière avec une Coupe de la Ligue gagnée contre le Football Club de Sochaux et un titre de meilleur buteur du championnat où il marquera 26 buts. Alors qu'il vient de refuser une offre du champion lyonnais venu à l'intersaison, il marque 3 buts lors des 3 premiers matchs de la saison, mais son élan est coupé par une luxation de la rotule gauche avec un arrachement des ligaments lors d'une action spectaculaire. Son indisponibilité sera de 8 mois et il ne rejouera que le 2 avril face à Ajaccio. Ses performances en Ligue des Champions en 2003 et en 2004 lui offrent une certaine réputation sur le plan européen. En 2005, il est en fin de contrat avec l'AS Monaco
et s'engage alors avec l'AS Rome pour 3 saisons. Sa première saison romaine est difficile à cause d'une blessure au genou et il est prêté au Blackburn Rovers la saison suivante pour se relancer. Il réalise une saison correcte et décide alors de rester en Angleterre. The arrival of a Blackburn Rovers side that had enjoyed some good results at the Riverside in recent seasons was always going to be a tough test. And it's Blackburn Rovers who've taken the lead at the Riverside Stadium. It's Shabandi Nonda, the centre forward, on loan from AS Roma, who's made it Boronel, Rovers 1, his header beats Swarter. Au mercato d'été 2007, les Rovers ne lèvent cependant pas l'option d'achat et ils signent alors en faveur du club turc de Galatasaray pour un contrat de 2 ans. En janvier 2010, son contrat est annulé par le club Galatasaray avant le fin de celui-ci prévu en juin 2010. De sa carrière internationale, nous pouvons retenir un meneur d'hommes, un capitaine, beaucoup de buts marqués et le symbole de l'espoir pour toute une génération. Votre impression pour l'intégration des jeunes, quel message pouvez-vous délivrer au peuple congolais qui puisse comprendre? Voilà. Moi, je pense qu'il faut que les gens dépassent les barrières. Parce que c'est l'union qui fait la force, c'est que tout le monde le sait. Je pense qu'avec l'appui de tout le monde. Non, attends d'abord. Non, regarde, là aujourd'hui moi j'ai 31 ans. Il faut marquer l'histoire. Je pense, mon petite histoire j'ai marqué. Ma carrière j'ai fait, je pense que je ne peux pas me plaindre. Mais je pense, ce que je peux donner comme cadeau à mon pays, j'espère, si ça s'est fait. Inch'Allah. C'est aller à la Coupe du Monde. Wow. Et personnellement, ça sera quelque chose de formidable. Et si on n'y arrive pas, bah écoute, tant mieux, mais on aurait quand même essayé. Amadou Koulibaly battu par les Simba de la République démocratique du Congo. Il s'en va peut-être pour inscrire le deuxième but de la partie. Les Simba, le but. C'est le chaos total. Shabani Ronda renvoie les éléphants à la maison. Et là, la Côte d'Ivoire est donc éliminée de la compétition. Je joue dans des grands championnats, il y a Trésor Loaloa, il y a Matumona, il y a notre jeune qui est Mbokani, il y a pas mal de joueurs. En fait, on n'a rien à envier aux autres. C'est que le seul truc, c'est que je pense qu'à un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Pour mon pays, c'est pas les brassards. Moi, je viens, c'est que je sais,
que j'avais quelque chose à apporter à mon pays. Je viens pour contribuer. Depuis 2013, il est le mécène de l'AS Dragon de Kinshasa. Il en occupe également le poste de conseiller de football. Shabani Nonda est membre du club des champions de la paix, un collectif d'athlètes de haut niveau créé par Peace and Sport. C'est une organisation internationale basée à Monaco et œuvrant pour la construction d'une paix durable grâce au sport. We must collaborate more, intensify our actions for a more united world, protecting and respecting the dignity of all. En avril 2003, il a créé une association pour venir en aide aux enfants défavorisés de la République démocratique du Congo. Cette association, localisée à Kinshasa, interviendra notamment dans des aides hospitalières et l'insertion scolaire des jeunes.